In the next few evenings, we're going to talk about the book of Revelation. Dans les prochaines conférences, nous allons parler du livre de l'Apocalypse. This is really an amazing book in the Bible. C'est un livre incroyable dans la Bible. And you know, there are people that believe that it shouldn't be in the Bible. Et savez-vous, il y a des personnes qui disent que le livre ne devrait pas être dans la Bible. And then some people say that it is incomprehensible. Il y a des personnes qui disent que on ne peut pas comprendre. But you know, the Bible is a perfect balance. Mais savez-vous, la Bible a un équilibre parfait. And without the book of Revelation, the Bible would just not be complete. Et sans le livre de l'Apocalypse, la Bible ne serait pas complète. We're going to talk about the seven churches in the first few chapters of the book of Revelation. Nous parlerons des sept églises ce soir dans les premiers chapitres de l'Apocalypse. But before we go there, let's just briefly look at the structure of the book of Revelation. Mais avant de parler des églises, nous voulons voir la structure du livre de l'Apocalypse. You know that some churches have claimed that the book of Revelation is a closed book. Il y a des églises qui disent que le livre de l'Apocalypse est un livre fermé. And some have even gone so far as to say that we shouldn't read that book. Et il y a des églises aussi qui nous disent que nous ne devrions pas lire ce livre. But we read there in verse 3, mais nous lisons au verset 3, chapitre 1. Blessed is he that readeth. Heureux celui qui lit. And they that hear the words of the prophecy. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. And keep the things that are written there. Et qui gardent les choses qui y sont écrites. For the time is at hand. Car le temps est proche. How do you want to keep something if you don't know what it says? Comment pourrions-nous garder quelque chose sans savoir ce qu'il dit? And why would you want to miss the blessing that goes along with reading it? Et pourquoi devrions-nous ne pas recevoir la bénédiction promise par ceux qui lisent les paroles du livre? So the very first verses in the book of Revelation tell us that none of those theories are true. Alors, les premiers versets dans le livre de l'Apocalypse nous disent que ce n'est pas vrai ce que nous entendons de ces églises. Like all the other books of the Bible, comme tous les livres dans la Bible, the book of Revelation, like all the others, is about Jesus. Le livre de l'Apocalypse, comme tous les autres livres, se centre sur Jésus. Yes, it has terrible stories in it. Oui, il y a des histoires incroyables dans ce livre. It's got complicated prophecies in it. Il y a des prophéties qui sont compliquées. And if you divorce these from Jesus Christ, mais si on sépare tout ce matériel de Jésus-Christ, then you miss the point of the book of Revelation. Nous passons à côté de l'essentiel, du point central. You know, Jesus spoke about the scriptures. Savez-vous, Jésus a parlé de la Bible. And he said, "These are they that testify of me." Et il a dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. And so the book of Revelation must also testify of Jesus Christ. Et alors le livre de l'Apocalypse doit aussi rendre témoignage de Jésus-Christ. Now, the amazing thing about the book of Revelation is that it has a structure. Alors, la chose incroyable du livre de l'Apocalypse, c'est qu'il a une structure. And we'll talk about that structure in a moment. Et nous parlerons de cette structure dans un moment. But then it has structures within structures. Mais il a aussi des structures dans des structures. And in the very first chapter, we have something called an epanados. Et dans le premier chapitre, nous avons quelque chose qui, une structure qui s'appelle epanados. This is where the prophet quotes certain Old Testament books. Et le prophète cite certains livres de l'Ancien Testament. In a very particular sequence. Dans une ordre très particulière, exact. So as to bring out a certain point. Pour faire ressortir un certain point. So in the first chapter, for example, he quotes the book of Isaiah. Et alors, par exemple, dans le premier chapitre, il cite le livre de Isaïe. As his first quote in this structure. Et c'est donc sa première citation dans cette structure. And his last one will also be from the book of Isaiah. Et sa dernière citation sera aussi du livre de Isaïe. The second one from the book of Daniel. La seconde citation c'est du livre de Daniel. The second last one from the book of Daniel. Et l'avant-dernière c'est aussi du livre de Daniel. Then the third one from Zechariah. Et la troisième du livre de Zacharie. And third from the back, Zechariah. Et l'avant-dernière, c'est aussi de Zacharie. And in the middle, he quotes Isaiah twice.
Et au milieu, il cite le prophète Isaïe deux fois. So the structure points to the middle. Et alors, la structure même nous amène au milieu. And we want to ask ourselves, what does the middle say? Et nous nous demandons, quel est le contenu de ces citations au milieu de la structure? There are two statements there in Revelation 1:8 and 1:11. Il y a deux citations là, Apocalypse 1:8 et Apocalypse 1:11. And these are the great I am statements. Et ce sont les grandes citations du Je suis. From the book of Isaiah. Du livre de Isaïe. So the structure tells us that Jesus Christ is the great I am. Alors, la structure même nous dit que Jésus-Christ est le grand « Je suis ». He is the witness. Il est le témoin. His word is a sharp sword. Sa parole est l'épée aiguë. He is the priest. Il est le prêtre. He will come with the clouds. Il vient avec les nuées. They're the ones that pierced him. He was pierced. C'est lui qui fut percé, transpercé. And he is the high priest who walks amongst the candlesticks. Et c'est lui le grand prêtre qui marche au milieu des sept chandeliers. Who is he? Qui est donc lui? He is the great I am. Et c'est le grand je suis. Do you know that today that is the most attacked truth in the world? Savez-vous qu'aujourd'hui dans le monde c'est la vérité la plus attaquée, celle-ci? Nobody minds if Jesus is just another prophet. Personne n'a des problèmes si Jésus est juste un prophète. But if he is God, then there is a problem. Mais s'il est Dieu, alors là, il y a un problème. Because then what happens to all the other religions? Parce que qu'est-ce qui va se passer avec les autres religions? Then they have to play second fiddle to Jesus Christ. Elles doivent se placer en seconde place après Jésus-Christ. And so that is not tolerable in the world that we live in today. Et nous ne pouvons pas tolérer une situation pareille dans le monde aujourd'hui. In Revelation 1:8-10. Apocalypse 1, 8 à 10. He says, I am the Alpha and the Omega. Ça nous dit, je suis l'alpha et l'oméga. The beginning and the end. C'est-à-dire le commencement et la fin. Says the Lord. Dit le Seigneur Dieu. Which is. Celui qui est. And which was. Celui qui était. And which is to come. Et qui vient. The Almighty. Le Tout Puissant. Now who is that? Alors, c'est qui cette personne? Who is the one who was, celui qui était, is to come, et qui vient, and who is. Et celui qui est. That's only Jesus Christ. C'est seulement Jésus-Christ. So here he is identified as the Almighty. Alors ici, on l'identifie comme le Tout-Puissant. And that is central to the book of Revelation. Et c'est une idée centrale dans le livre de l'Apocalypse. And I want to go so far as to say that all the wars in our world. Et je voudrais bien dire que toutes les guerres dans notre monde have a religious basis. Ont une base religieuse. And the end game of that entire conflict on this planet. Et le but de cette tragédie, de cette bataille pendant les siècles, is to remove Jesus Christ from this throne that he is on. C'est d'enlever Jésus-Christ de ce trône où il est assis, le Tout-Puissant, et de le placer au même niveau que tous les autres fondateurs de religions. And the final conflict, et la bataille finale, will be about us. Ça nous concerne tous. Do we accept the sovereignty and the deity of Jesus Christ, or do we not? Est-ce que nous acceptons la souveraineté et la divinité de Jésus-Christ ou bien pas? And how do you acknowledge someone's sovereignty? Et comment est-ce qu'on reconnaît la souveraineté d'une personne? By obeying them. En les obéissant. By worshiping only them. En les adorant. Et seulement eux. That's how you acknowledge the deity and the sovereignty. C'est comme ça qu'on reconnaît la souveraineté et la divinité d'une personne. So what will the war be against? Et alors la guerre sera contre quoi? It will be against the sole acknowledgement of Jesus Christ as God. Elle sera contre l'idée de reconnaître Jésus-Christ comme Dieu. And every effort will be made to keep us from obedience. Et tout effort sera fait pour éloigner et décourager les gens à l'obéir.
Now, if we turn to the book of Genesis, alors si nous allons au livre de la Genèse, in the book of Genesis, we lost the right to the tree of life. Dans le livre de la Genèse, nous avons perdu le droit à l'arbre de la vie. That's Genesis chapter 3, verse 22. Nous trouvons ça en Genèse chapitre 3, 22. The consequence of our disobedience, la conséquence de notre désobéissance, was death. Fut la mort. Genesis 2, verse 7. Genèse 2, 7. From that time onwards, we had to earn our bread by the sweat of the brow. De ce temps en avant, c'est à la sueur de notre visage que nous gagnons notre pain. Genèse 3:19. Man lost dominion over the planet. L'humanité a perdu la domination sur la planète. And Satan claimed it. Et Satan revendique cette domination. Genèse 3:24. In Genesis, we are told that we lost our robes of righteousness. We were naked. Et dans la Genèse, on lit que l'humanité perd sa robe de justice, elle est nue. And they were driven from God, Genesis 3, verse 23. Et ils sont chassés du jardin de l'Éden par Dieu, Genèse 3, 23. Now, if that situation remained like that, alors si la situation était restée comme ça, we would be in a very sad state. Nous nous trouverions dans une situation pénible. And that's where the book of Revelation is the antithesis of the book of Genesis. Et voilà donc le livre de l'Apocalypse qui est l'antithèse du livre de la Genèse. And where sin led to death, grace will lead to life. Et où le péché a conduit à la mort, la grâce conduit à la vie. In Revelation chapter 2 verse 7, Apocalypse chapitre 2 verset 7, we are restored to the tree of life. Nous recevons la restauration à l'arbre de la vie. In Revelation 2:11, Apocalypse 2:11, you have victory over death because Christ had victory over death. L'humanité reçoit la victoire sur la mort car Christ a vaincu la mort. In 2 verse 17, there's the hidden manna. De 17, nous parlons de la manne cachée. That is the bread that will never leave you hungry. C'est le pain qui nous ne lassera jamais avec de la faim. In Genesis, in Revelation 2:26. Apocalypse 2, 26. Dominion is restored. La domination vient restaurer et rétablie. In Genesis, in Revelation 3, 5. Apocalypse 3, 5. You are clothed in white. Une personne vient vêtue de blanc. So you get back the robe of righteousness. Alors on reçoit encore une fois la robe de justice. There's no more separation from God. Et il n'y aura plus de séparation de Dieu. Everything that was lost in the book of Genesis, tout ce qui avait été perdu dans le livre de la Genèse is restored in the book of Revelation. Vient restauré dans le livre de l'Apocalypse. Do you still want to throw the book of Revelation out of the Bible? Est-ce que vous voulez ignorer le livre de l'Apocalypse? Do you think for one moment that this restoration, pensez-vous que cette restauration will be without a battle and a war? Sera sans bataille et sans guerre? Do you think the devil will give up his dominion freely and easily? Est-ce que vous pensez que le diable va renoncer à son domination de façon libre et gratuite? No. Non. So the book of Revelation has the story of this mega conflict between good and evil. Alors le livre de l'Apocalypse nous parle de cette histoire, de cette guerre entre le bien et le mal. And tells us who the role players are throughout history. Et indique les acteurs principaux dans cette tragédie, de cette guerre des siècles. So we need to study this book. Alors nous devons étudier ce livre. Didn't Jesus say in Matthew 24, Jésus ne nous a pas dit en Matthieu 24 that the very final problem on this planet will be deception? Que le problème final dans ce planète serait la séduction, l'égarement. Now, to be deceived means to believe that you are on the right track. Alors, être égaré, séduit, ça signifie qu'on pense d'être sur la voie correcte. Fact, you're on the wrong track. Mais en réalité, nous nous trouvons sur le faux chemin, sur la voie trompée. So no matter how awesome and how horrendous the book of Revelation may appear, et ça n'importe pas si le livre de l'Apocalypse semble être horrible ou merveilleux, it is the roadmap
to keep us on the straight and narrow path. C'est la voie pour nous maintenir sur ce chemin resserré qui mène à la vie. Now we're going to talk about the book about the churches tonight. Alors nous allons parler ce soir sur les églises, les sept églises. And there are seven churches. Et il y a sept églises. The whole book of Revelation is divided into groups of seven. Et le numéro 7 vient mentionner beaucoup de fois dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de groupes de sept. Seven churches. Il y a sept églises. Seven letters. Sept lettres. Seven stars. Sept étoiles. Seven candlesticks. Sept chandeliers. Seven blessings. Sept bénédictions. Seven spirits. Sept esprits. Lamp. Lampe. Seals. Sceaux. Trumpets. Trompettes. Horns. Cornes. Eyes. Yeux. Thunders. Tonnerre. Heads. Têtes. Crowns. Couronnes. Angels. Anges. Vials. Coupes. And mountains. Et montagnes. And there are more sevens than that. That's just the main group. Et il y a plus de groupes de sept que ça. Ça, ce sont juste les principaux. Now, this is very confusing. Alors ça, ça peut donner de la confusion un petit peu. And then there's something else about the book of Revelation. Mais il y a un autre détail du livre de l'Apocalypse. It's written in sanctuary language. Il est écrit dans le langage du sanctuaire, du temple. Now, what was the sanctuary? Qu'est-ce que c'était le sanctuaire? The sanctuary was the plan of salvation. Le sanctuaire était le plan du salut. In a physical representation. Représenté de façon physique. And the Jews had to worship through the sanctuary. Alors les Juifs devaient adorer à travers le sanctuaire. And they had to bring a lamb into the sanctuary. Et ils devaient porter un agneau au sanctuaire. They had to slaughter it at the altar of offering. Et ils devaient le tuer auprès de l'autel des sacrifices. And there was a first chamber. Et il y avait une première salle. And there was a second chamber. Et il y avait une deuxième salle. And the first one was a candlestick. Et dans la première, il y avait un chandelier. And an altar of incense. Et un autel des parfums ou autel de l'encens. An altar of showbread. Et une table des pains de proposition ou de l'offrande. And all of this points to the ministry of Jesus Christ. Et tous ces objets indiquent clairement le ministère de Jésus-Christ. He's the lamb that taketh away the sins of the world. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché He's du monde. The candlestick. He's the light of the world. C'est lui le chandelier, la lumière du monde. He is the intercessor. The intercessor in heaven for us. C'est lui l'intercesseur, c'est lui qui intercède aux cieux pour nous. And he's the bread that came down from heaven. Et c'est le pain qui est descendu des cieux. And finally, in the most holy, you had the Ark of the Covenant with the law of God in it. Et finalement, dans le lieu très saint, l'arche de l'alliance, quelque chose de très saint avec la loi de Dieu. And the rod of Aaron. Et le verge ou le bâton de Aaron. And the manna that never went rotten. Et le manne qui ne pourrissait jamais. He is the bread that will never deteriorate. Et c'est Jésus qui est le pain qui ne va jamais se dégrader. He's the high priest. Il est le grand prêtre. And he's the ruler of the universe. Et il est le gouverneur de l'univers. And he has a law that's written in stone. Et il a une loi qui est écrite sur pierre. There's a message there. Il y a un message. So in Revelation 1 to 3, Así chapters que, 1 to 3. Et alors en Apocalypse chapitre 1 à 3. We're talking about the seven churches where Jesus is the light of the world. Nous parlons de cette église où Jésus est la lumière du monde. But he talks through people. Mais lui, il communique cette lumière parmi des personnes. This is amazing. He talks through sinful people like me. Et c'est quelque chose d'incroyable. Il parle, il communique ça parmi personnes faillibles comme moi. In Revelation 3 to 8, there are the seven seals. Apocalypse 3 à 8, nous trouvons les sept sceaux. And in sanctuary language, it's associated with the bread of his presence. Et dans le langage du sanctuaire, ils sont associés au pain de proposition ou de l'offrande. When we come to the trumpets in Revelation 8 to 11. Et quand on parle des trompettes, Apocalypse 8 à 11. The scenes take place at the golden altar. L'action se passe auprès de l'autel de l'incens ou des parfums. In Revelations 12 to 14, the issue is the law of God. Apocalypse 12 à 14, le thème, le sujet est la loi de Dieu. And finally, we have eschatology, things pertaining to the end in the last portions of the book of Revelation. Et finalement, nous avons la dernière partie du livre de l'Apocalypse qui nous parle des thèmes de la fin ou de l'eschatologie.
Et alors, comment est-ce que je peux comprendre le livre quand je commence à le lire? Well, here's a little structure for you that should make it a little bit more simple. Alors voilà une petite structure qui pourrait nous aider à lire ce livre. Breaking it up, we could say that the first parts of the book of Revelation are historic. Alors si on fait une division, nous pourrions dire que la première partie du livre de l'Apocalypse est une partie historique. And the second part is eschatological, pertaining to the future end. Et la deuxième partie est eschatologique, c'est-à-dire elle parle des choses de la fin. And they all meet in the middle with a great climax of this clash of the titans. Et ces deux parties se rencontrent au milieu, et nous avons au milieu l'apogée, la bataille des géants. Now, is this book written only for us or for all the ages of Christianity? Alors, l'Apocalypse a été écrite seulement pour nous ou bien pour toutes les époques du christianisme? You know what's so beautiful about the Bible? Savez-vous ce qui est merveilleux de la Bible? That God doesn't leave out any generation. C'est que Dieu n'oublie aucune génération. And so the seven churches will have something for all the phases of history. Et donc les sept églises auront quelque chose pour chaque phase de l'histoire chrétienne. As will the seals and the trumpets. Et de même pour les sceaux et les trompettes. Let's see if we can see these parallels. Voyons donc si on peut voir ces parallèles. Here in the seven churches, ici dans les sept églises, in chapter 2, verse 1, chapitre 2, verset 1, he says, he that holdeth the seven stars walks in the midst of the seven golden. Nous lisons, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans la main droite et celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Now the candlesticks give light. Alors, les chandeliers donnent la lumière. So let's jump to the last book. We go to chapter 21. Et dernier chapitre de l'Apocalypse, chapitre 21. Verse 23. Verset 23. The lamb is the light thereof. Dans la ville, l'agneau est son flambeau, sa lampe, la lampe de la ville. So he who walks amongst the candlesticks of lights, he is the light thereof. Alors celui qui marche dans, parmi les chandeliers, et c'est la lumière même, c'est lui. If you go to 2 verse 7, si on parle d'Apocalypse, chapitre 2, verset 7. To him that overcometh, I will give to eat of the tree of life. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. In 22 verse 2, Apocalypse 22, verse 2, you also have the tree of life. Nous trouvons aussi l'arbre de la vie. So when we talk about the structure, alors quand nous parlons de cette structure, we can pick it up. Lamp, nous pouvons voir ces parallélismes. Tree, lumière, arbre, and we go a little bit further. Nous avançons un petit peu plus. 3, verse 8, there's an open door. Chapitre 3, verset 8, il y a une porte ouverte. 21-25, gates never close. Yeah, permanently open door. 21-25, les portes ne se ferment jamais, elles sont toujours ouvertes. In 3:21, you have Christ on his father's throne. Chapitre 3, verset 21, vous avez Christ sur le trône du Père. And you have the same in 22:1-3. Et nous trouvons le même Apocalypse 22:1-3. In New Jerusalem. La Nouvelle Jérusalem, 3:12. In 3:12, and you have the same in 21:10. Et le même à 21:10. In 3:11, I'm coming soon. In 22:7, I'm coming soon. Et 3:11, nous lisons, je viens bientôt. Et en 22:7, je viens bientôt. So you see, if you do a careful study and you pick them up, you can pick up the structure of the Book of Revelation. Et alors, si vous étudiez de façon détaillée ce livre, vous pouvez voir cette structure dans le livre de l'Apocalypse. And you can also see historically where you are in the stream of time. Et nous pouvons aussi voir en quel moment nous nous trouvons dans l'histoire de l'humanité. You can do the same with the seven seals. Nous pouvons faire la même chose avec les sept sceaux. Where it deals with Christ and his afflicted people. Qui parle du Christ et de son peuple affligé, frappé. And then finally you have these people enthroned. Et ce même peuple, nous le trouvons à la fin du livre, assis sur le trône. So you'll pick it up again. Heaven opened, heaven opened. Et voilà la même structure, le ciel qui s'ouvre, 4:1, et le ciel qui s'ouvre, 19:11. Rider on a white horse. Le chevalier sur le cheval blanc, 6:2.
chevalier sur le cheval blanc, 1911. Les âmes des martyrs qui demandent le jugement. And here the souls of the martyrs are resurrected. Et voilà ici, chapitre 20, les âmes des martyrs qui sont ressuscitées. Alors d'un côté, ils marchent vers la solution et de l'autre côté, ils sont arrivés. So in Revelation 6, 15 and 16, the kings and the generals ask to be killed. Alors Apocalypse 6, 15 à 16, les rois et les généraux demandent d'être tués, de mourir. And here in the eschatological part, they are killed. Et dans la partie eschatologique, ils viennent tuer, ils meurent. Can you see that they are historically separate? Pouvez-vous donc voir qu'ils sont deux parties qui touchent deux époques différentes? Then the book of Revelation compares God's people and the devil's people. Et le livre de l'Apocalypse compare aussi le peuple de Dieu et le peuple du diable. So it's the Trinity of God, the Father, the Son and the Holy Spirit. Et donc il y a la Trinité de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Against the false Trinity of the dragon, the beast and the false prophet. Contre la fausse Trinité du dragon et de la bête et du faux prophète. Now we have to be very careful on whose side are we here. Et alors il faut faire attention pour voir de quel côté nous nous trouvons. If you belong to the beast group or the dragon group, si nous appartenons au groupe de la bête ou au groupe du dragon, or the false prophet group, ou au groupe du faux prophète, well then you are on the other side. You're an enemy of God. Alors nous sommes dans le mauvais côté, nous sommes des ennemis de Dieu. See, we read in the book of Revelation all power given unto the Son. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse que tout le pouvoir est donné au Fils. But in the book of Revelation there's a group that give their power unto the beast. Mais dans le livre de l'Apocalypse, il y a un groupe qui donne leur pouvoir à la bête. Do we want to be deceived? Est-ce que voulons-nous être séduits et égarés? Me, I want to know who's the dragon. Moi, je veux bien savoir qui est le dragon. Who's the beast? Et qui est la bête? Who's the false prophet? Et qui est le faux prophète? Because if I'm in that group, I'm in trouble. Parce que si je me trouve dans un de ces groupes, j'ai des problèmes. We have the keys of death and Hades in the hand of Jesus on the one hand. Nous trouvons les clés de la mort et du séjour des morts dans les mains de Jésus. And the keys of the bottomless pit in the hands of the devil. Mais de l'autre côté, la bête qui monte de l'abîme et va à sa perdition. We have in the book of Revelation the question, who is like unto the Lord? Et nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse la question, à qui voulez-vous comparer Dieu? Isaïe 40, 18. And the counter question, who is like unto the beast? Et la question aussi, qui est semblable à la bête? A lamb that was slain. L'agneau qui a été immolé. And a beast that had a mortal wound and yet lived. Et de l'autre côté, une des têtes de la bête comme blessée à mort, mais qui guérit et vit. So we have a false death and a false resurrection. Et alors pour la bête, nous avons une fausse morte et une fausse résurrection. And Jesus, he is the one which is and which was and which is to come, remember? Et Jésus est celui qui est et qui était et qui vient, n'est-ce pas? And the beast who wants to be like Jesus. Et la bête qui veut être comme Jésus. Revelation 17:8 is the beast that was and is not and is about to come. Apocalypse 17:8, la bête que tu as vue était et elle n'est plus et elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. That gives you a clue. Who is that beast? Et ça nous donne une indication. Qui est la bête? He's the Antichrist. C'est l'Antéchrist. Because Antichristo means to be like him, to want to be like him. Porque, in the place of. Car Antichristo signifie vouloir être comme lui, se mettre à la place du Christ. So here's someone who pretends to be like Jesus. Alors ici il y a un pouvoir qui prétend être comme Jésus ou bien Jésus même. Is the beast going to be a religious system? Sera donc la bête un système religieux? Or a secular system? Ou un système laïque non religieux. Well, if he wants to be like Jesus and pretends to be a savior, he must be a religious system. Bon, si la bête veut être comme Jésus, prétend être un sauveur, doit être un système religieux. So we need to find out who all these powers are. Alors nous devons découvrir qui sont ces pouvoirs.
Nous avons la colère de l'agneau et la grande colère du diable. Nous avons le sceau de Dieu et la marque de la bête. Do you want to know who the beast is? Est-ce que vous voulez savoir qui est la bête? I certainly want to know who the beast is. I could receive his mark. Moi, je voudrais bien savoir qui est la bête. Je pourrais recevoir sa marque. And then I could miss out on the seal of God. Et je n'aurais pas l'opportunité de recevoir le sceau de Dieu. In the book of Revelation, we have the name of God and we have the name of the beast. Dans le livre de l'Apocalypse, nous avons le nom de Dieu et le nom de la bête. We have the tribes of Israel and we have the tribes of the earth. Nous avons les tribus d'Israël et les tribus de la terre. The armies of heaven and the armies of the earth. Les armées du ciel et les armées de la terre. And the Lamb wars against Satan and his people. Et l'agneau qui fait la guerre contre Satan et son peuple. And these other powers war against Christ and his followers. Et ses pouvoirs font la guerre contre l'agneau et ses fidèles. So the book of Revelation is a book of war. Et alors, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de guerre. And whose side are we on? Et en quel côté nous trouvons-nous-mêmes? There's a supper of the Lamb in Revelation 19:9. Apocalypse 19:9, il y a un festin, un dîner aux noces de l'agneau. And there's a supper of the birds. Mais nous trouvons aussi un festin de Dieu pour les oiseaux. I think these are vultures. Et je crois que c'est des vautours, des charognards. There's the Lamb's bride. Et nous trouvons la femme, l'épouse de l'agneau. And there's the whore. Mais aussi la grande prostituée de Babylone. There are the apostles of the Lamb. Nous trouvons les apôtres du Seigneur. And there are false apostles. Mais aussi ceux qui se disent apôtres et ils ne le sont pas. Jerusalem, God's church. Jérusalem, l'église de Dieu. Babylon, Satan's church. Et aussi Babylone, l'église de Satan. And Jesus is the ruler of heaven and earth. Et Jésus, qui est le gouverneur du ciel et de la terre. And the sea. Et de la mer. And the beast is out of the sea and out of the earth. Et la bête qui sort de la mer ou bien de la terre. So we have all of these nice comparisons in the book of Revelation. Et alors nous trouvons toutes ces belles comparaisons dans le livre de l'Apocalypse. That's not too difficult to understand. Et ça ne devait pas être tant difficile de se comprendre. So all we need to figure out is what do these symbols stand for and what is God trying to tell us? Et alors tout ce que nous devons comprendre est de qu'est-ce que signifient ces symboles et qu'est-ce que veut Dieu nous dire? And where must we find the answers? Et où devons-nous trouver les réponses? Who's going to give us the answers? Qui va nous donner les réponses? The Bible must give us the answers. La Bible doit nous donner les réponses. I cannot define the beast with some present modern consideration. Je ne peux pas définir la bête avec des considérations modernes. The Bible must define for me who the beast is. La Bible doit définir qui est la bête. Or who the dragon is. Ou qui est le dragon. Or who the false prophet is. Ou qui est le faux prophète. Revelation tells us that this false prophet will create signs and wonders and miracles and people will be overwhelmed. L'Apocalypse nous dit que ce faux prophète va faire des signes, des merveilles, des miracles et les gens seront bouleversés, confondus. So again, it is a religious system. Et alors, encore une fois, c'est un système religieux. I would be very careful of religious systems on this planet. Et alors, je vous invite à faire attention au système religieux du planète. And check them out very carefully. Are they lamb systems or are they dragon systems? Il faut bien les analyser. Est-ce qu'ils sont des systèmes de l'agneau ou bien des systèmes du dragon? So now let's go into the seven churches. Alors, nous allons parler de cette église. And let's bear this symbolism in mind. Et rappelons-nous des symboles que nous avons vus. Now, where do the seven churches appear in this book of Revelation? Alors, où est-ce que nous trouvons les sept églises dans le livre de l'Apocalypse? They appear right there in the beginning. Juste au commencement du livre. Question. Question. Are we in the historic arm or are we in the eschatological arm? Sommes-nous donc dans la partie historique du livre ou bien dans la partie eschatologique? We're in the historic arm. Nous nous trouvons dans la partie historique. So that helps us already. Now we can see. All right, we're going to talk history tonight. OK, ça nous aide. Alors nous parlerons de l'histoire ce soir. So I need to know the structure in order to put myself in the right place. Je dois connaître la structure pour me pouvoir placer dans l'endroit correct. Saying I'm the Alpha and the Omega. Apocalypse 1:11, introduction Martin. The first and the last. Je suis l'alpha et l'oméga. And what thou seest, write in a book.
le premier et le dernier, écris dans un livre ce que tu vois. Send it unto the seven churches, envoie-le aux sept églises which are in Asia. Qui sont en Asie. Now, what boggles the mind, alors ça, c'est incroyable. Is how God put these into this sequence. C'est comme Dieu a mis ces noms dans un ordre, une ordre spécifique. Physically, physique. Because that's how the old postal route used to work. Car c'est comme ça que l'ancienne route postale marchait. In that sequence, dans cette même séquence, and each one of the names has a specific meaning. Et chaque nom a une signifiée spécifique. Now, the names are Ephesus, alors les noms sont Éphèse, Smyrna, Smyrne, Pergamos, Pergame, Thyatira, Thyatire, Sardes, Sardes, Philadelphia, Philadelphie, and Laodicea. Et Laodicée. What does that mean? Et qu'est-ce que ça signifie? C'est des noms? These are places, ce sont des endroits, but they have a historic setting. Et ils ont une histoire aussi. Were they only written for that time or for our time as well? Est-ce que ces endroits sont mentionnés juste pour le premier siècle ou bien pour nos temps aussi? Is God only interested in one generation or in all generations? Est-ce que Dieu est intéressé dans une génération seule ou bien en toutes les générations? All generations. Toutes les générations. And we are fortunate living here at the end that we can see the whole picture. Et nous avons de la chance, nous qui vivons à la fin des temps, de voir tout l'ensemble historique. And I turned to see the voice that spoke with me. Verset 12, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. And being turned, I saw seven golden candlesticks. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. That's the very next verse. Et voilà, c'est le verset 12. Help me. Aidez-moi. Where's Jesus standing here? Où est-ce que Jésus se trouve dans cette description? He's standing in the sanctuary. And where is he standing in the sanctuary? Dans le sanctuaire et où dans le sanctuaire? He's standing in the holy place. Dans le lieu saint. Right? N'est-ce pas? So we're not yet in the most holy. Alors nous ne sommes pas encore dans le lieu très saint. That comes much later. Ça arrive beaucoup plus tard. So historically, we're in the first part of the Christian era. Alors à niveau historique, nous nous trouvons dans la première partie de la période chrétienne. So verse 13 says, in the midst of the seven candlesticks, one like unto the Son of Man. Et comme nous lisons verset 13, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. So this story comes from whom? Et alors cette narration est centrée en qui? Jesus. En Jésus. He's always the center of every single story in the Bible. Il est toujours le centre de chaque histoire dans la Bible. There's a fancy word for that. Il y a un mot technique pour ça. Every story in the Bible. Chaque histoire dans la Bible has an aspect which the theologians call soteriology. A un aspect que les théologues appellent sotériologie. The story of salvation. C'est l'histoire du salut. All right, so Jesus is amongst the candlesticks. Alors Jésus se trouve parmi les chandeliers. So he's the high priest that ascended into heaven. Alors lui, c'est le grand prêtre qui est monté aux cieux. He's the light of the world. Il est la lumière du monde. And he disseminates or spreads that light through whom? Et il partage, il reflète la lumière à travers de qui? Through you. À travers vous. And through me. Et à travers moi. We're supposed to be the reflection of that light to the world. Nous sommes censés de refléter cette lumière au monde. And so he is addressing this to the pastors of those churches. Et alors il écrit ces lettres aux pasteurs de ces églises. And here is this part in Asia Minor, and this is how they were situated right along this postal route. Et voilà le parcours en Asie Mineure, et comme il était et comme les villes étaient sur ce parcours. Ephesus, Éphèse, Smyrna, Smyrne, Pergamum, Pergame, Thyatira, Thyatire, Sardes, Sardes, Philadelphia, Philadelphie, Laodicea. Et Laodicée. God is even in charge of geography. Alors Dieu contrôle aussi la géographie. Now, listen to this one.
Alors écoutez bien le prochain texte. Write the things which thou hast seen. Verset 19, écris donc les choses que tu as vues. And the things which are. Et celles qui sont. And the things which shall be hereafter. Et celles qui doivent arriver après elles. Okay. How do I read the book of Revelation? Très bien. Comment est-ce que je dois lire le livre de l'Apocalypse? And how do I interpret these seven churches? Et comment dois-je interpréter les sept églises? Because the one standing amongst the candlesticks. Car celui qui marche parmi les chandeliers. Says the seven stars are the angels of the seven churches. Verset 20, les sept étoiles sont les anges des sept églises, il nous dit. And the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Okay. Muy bien. Has seen. Ici nous voyons ce que tu as vu. Are. Celles qui sont, les choses qui sont. And will come hereafter. Et celles qui doivent arriver après elles. So the seven churches must have the story. Alors les sept églises doivent pouvoir nous décrire l'histoire. Of what was. De ce qui était. What is. De ce qui est. And is to come. Et ce qui doit encore se passer. So it is a sweep through history. Alors c'est une panoramique à travers de l'histoire du christianisme. And it has an application for every single generation. Et il y a une application pour chaque génération. Right, let's go to those churches. Ok, parlons donc de ces églises. This is a picture of Istanbul. Et voilà une photo de Istanbul. With the bridge across the Bosphorus there. En Turquie, avec le pont sur le Bosphore. I think that's me when I was still young and ugly. Et me voilà quand j'étais encore jeune et moche. And I want to take you there. Et je veux vous amener à cette ville. But while I was there, I went on top of a hill. Et quand j'étais là, j'ai monté sur une colline. And during the Ottoman Empire, they built these great fortresses, you know, to take care of the military aspect. Et pendant l'époque de l'Empire ottoman, ils construisirent ces forteresses pour des buts militaires. Because this was, of course, the eastern capital of Rome. C'était la capitale de l'Est de l'Empire romain. And while I was on this hill, there was a marriage ceremony. Et quand je me trouvais sur cette colline, il y avait une cérémonie de mariage. But it was, you know, like those Middle Eastern ones. Mais c'était comme une cérémonie du Moyen-Orient. So the bride was dressed in pink. Et l'épouse était vêtue en rose. And the bridegroom was showing her off, and he was dressed in white. Et l'époux, il a montré, il étalait son épouse et il était vêtu en blanc. So this is like a pre-marriage. This is not the marriage. Et bon, cette cérémonie était comme une cérémonie de avant mariage. Ce n'était pas le mariage encore. And he would come later, and then they would be married, and she would be dressed in white. Et après, dans la cérémonie du mariage, elle serait vêtue de blanc. And you know, it reminded me of the story of the marriage of the lamb. Et je me suis rappelé de l'histoire du mariage de l'agneau. And we are betrothed to him. Voyez-vous, nous sommes fiancés à l'agneau. He is the one who is in white. Et c'est lui qui est dressé en blanc. And one day he will come and he will take his bride. Et un jour il va retourner et il va amener son épouse avec soi-même. And I think he likes to show off his bride like this man did. Et je crois qu'il veut montrer, il veut étaler son épouse comme ce jeune homme. And he comes and he brings her in this fancy little coach. Et il arrive et il l'amène dans cette petite carrosse. And the book of Revelation is about the marriage of the lamb. Et le livre de l'Apocalypse parle du mariage de l'agneau. In the same capital, there you have the blue mosque. Et dans la même ville, vous avez la mosquée bleue. Where you have a whole religious system without the lamb. Où il y a un système religieux sans l'agneau. And these people are so dedicated. Mais c'est des personnes très dédiées. And they are prepared to die for their religion. Et ils sont prêts à mourir pour leur religion. And they are so serious about trying to do what is right. Et ils sont très sérieux de tâcher de faire ce qui est correct. And the whole world is filled with religions like that. Et dans tout le monde, il y a beaucoup de religions comme ça. And this is Saint Sophia. Et voilà Sainte Sophie.
Did you know that that used to be a Christian church? Et savez-vous que c'était avant une église chrétienne? And today there are minarets outside, and it's a Muslim mosque. Mais aujourd'hui, il y a des minarets. C'est une mosquée musulmane. And I walked in that place. Et je suis rentré. And when you look across the top, et quand vous regardez en haut, there are paintings. Il y avait des fresques, des images. Christian paintings. Des images chrétiennes. And when the Muslims took over Christianity, et quand les musulmans ont conquis le christianisme and expelled the Christians, et ils ont expulsé les chrétiens, they took whitewash paint and they painted them clothes. Ils ont pris de la peinture blanche et ils ont couvert les fresques. So Christianity disappeared and another religion took place. Et alors le christianisme a disparu et une autre religion a pris sa place. And you know, I looked and here and there that whitewash is fading. Et alors, j'ai regardé et j'ai vu que de quelque côté, on pouvait voir ces images. Old ancient Christian paintings are coming through. Et la peinture s'effaçait et alors ces anciennes images commençaient à se voir. And I thought to myself, you know, that's so symbolic. Et alors, j'ai pensé, ah, c'est très symbolique, ça. Here in the same building, you're getting this mingling. Dans cette construction, dans cet endroit, nous recevons ce mélange. And the world today is mingling religion. Et le monde aujourd'hui mélange les religions. And the Muslim world doesn't mind Jesus. It venerates. Et le monde musulman n'a pas un problème avec Jésus. Il est digne de vénération. But it denies that he is the Son of God. Mais il nie son identité comme fils de Dieu. And it denies that he is God. Et il nie qu'il est Dieu. But the book of Revelation says he is the Almighty. Mais le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il est le Tout-Puissant. And in the same area, you also have this statue of this horse. Et dans la même ville, vous trouvez cette statue de ce cheval. You know, that's the story of Troy. You remember the story of Troy? Et vous vous rappelez de l'histoire de Troie? How these people hid in there? Comme ces gens se cachaient dans le cheval. And the Trojans took this horse inside. Et les gens de la ville ont amené le cheval dans la ville. And before they knew it, that night the people came out and Troy was captured and destroyed. Et la nuit même, les soldats cachés dans le cheval sortirent et détruirent la ville. You know what? I'm afraid. Et j'ai le pressentiment that Christianity has its Trojan horse. Que le christianisme a aussi son cheval de Troie. And under disguise, enemies have entered Christianity. Et des ennemis camouflés, déguisés, ont infiltré le christianisme. And taken it captive. Et ils l'ont fait prisonnier. And today you cannot distinguish true Christianity from any of those false systems out there. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas distinguer le vrai christianisme de tous ces systèmes faux qui existent. Now the amazing thing is that these seven churches, that the meaning of the name and the character is built into the word of that name of that city. Alors, la chose intéressante, c'est que dans cette église, le signifiait du nom et du caractère est inclus dans le mot du nom de la ville. And in each one of those letters, there's a commendation. Et dans chacune de ces lettres, il y a une éloge. Except in two. Sauf deux. There's a reproof in all of them. Il y a une reproche aussi dans toutes. Except in one. Sauf deux. There's counsel. Il y a un conseil. And there's a promise. Et une promesse. And remember, these are the ones that are in the Lamb's hand. This is His church. Et rappelez-vous que c'est les mêmes églises qui se trouvent dans la main de l'agneau. C'est son église. So let's go to Ephesus. Alors commençons par Éphèse. It comes first. C'est la première. So it must represent the first part of the Christian era. Elle doit donc représenter la première partie de l'ère de l'âge chrétien. Now, what do we find in Ephesus? Alors qu'est-ce que nous trouvons en Éphèse? It was a cosmopolitan harbor city. Alors c'était une ville cosmopolite avec un port. And here is one of the ancient pathways of that. Et voilà une des anciennes rues de la ville.
I would say it goes to about AD 100. Et je voudrais dire que la période dure jusqu'à l'année 100 après Jésus-Christ. Although the word AD is not very acceptable today anymore. Même si en anglais, après Jésus-Christ, c'est une phrase qu'on n'accepte pas souvent. Because the name of Christ is not very welcome. Parce que nous ne voulons pas, les gens ne veulent pas mentionner le nom de Christ. So today they would say after common era. Et alors en anglais, de plus en plus, on utilise la sigle EC, l'ère commune, c'est-à-dire. Now in Ephesus, they had the seat of Diana. Alors en Éphèse, ils avaient le siège central de la déesse Diane. And she was known as the mother of the gods. Et elle était connue comme la mère des dieux. And the temple of Diana was built in 480 BC. Et alors le temple de Diane fut construit dans l'année 480 avant le Christ. And if you read there in the books, you will find that Paul had this problem all the time with Diana. Et si vous lisez dans la Bible, vous trouverez que Paul il avait un problème tout le temps avec la déesse Diane. It's interesting that the early Christian church. Et c'est intéressant de savoir que l'église chrétienne. At the Council of Ephesus, au concile de Éphèse, which was held in 451 AD, qui eut lieu pendant l'année 451 après Jésus-Christ, gave the title Mother of God to Mary. A donné le titre Mère de Dieu à Marie. Isn't that interesting? Est-ce n'est pas intéressant? C'est fascinant. Under the angel of the Church of Ephesus, right. Apocalypse 2, 1. Écrit à l'ange de l'église de Éphèse. These things says he that holdeth the seven stars in his right hand. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Walks amongst the seven golden candlesticks. Qui marche au milieu de sept chandeliers d'or. I know your works. Je connais tes œuvres. Labor. Ton travail. Patience. Et ta persévérance. And how you canst bear them which are evil. Et je sais que tu ne peux supporter les méchants. And thou hast tried them which say that they are apostles. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. And are not. Et qui ne le sont pas. And hast found them liars. Et que tu les as trouvés menteurs. And hast borne and hast patience. Et que tu as de la persévérance. And for my name's sake have labored. Et que tu as souffert à cause de mon nom. And hast not fainted. Et que tu ne t'es point lassé. He's quite proud of them. Alors il est orgueilleux d'eux. So he commends them. Et alors il leur donne un éloge. And et please note that they tested to see whether they were true or false apostles. Et notez qu'ils éprouvaient pour voir s'il y avait des faux ou vrais prophètes. So they must have been students of the word. Alors ils étudiaient la Bible. And they tested it according to the scriptures. Car ils devaient éprouver selon les Écritures. And they knew their Bibles. Et ils connaissaient leur Bible. Because they could tell the false from the truth. Car ils pouvaient distinguer le faux et le vrai. So this is the early church. Et voilà l'église primitive apostolique. Now here's a problem. Nevertheless, mais il y a un problème, Apocalypse 2:4. I have somewhat against you. Mais ce que j'ai contre toi, you have left your first love. C'est que tu as abandonné ton premier amour. These people were on fire for God. Alors ces chrétiens, ils étaient totalement dédiés à Jésus-Christ. And they knew their scriptures. Et ils connaissaient leur écriture. But they became complacent. Mais ils ont perdu leur vigilance. So the Lord says to them, remember from where you are fallen and repent. Et alors le Seigneur leur dit, verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Do the first works. Et pratique tes premières œuvres. Or else I will remove your candlestick. Sinon je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place. And now notice carefully. Et alors notez bien ce que le texte nous dit. But this thou hast. Verset 6, tu as pourtant ceci. That you hate the deeds of the Nicolaitans. C'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, which I also hate. Œuvres que je haïs aussi. Nicolaitans? Nicolaïtes? What are the Nicolaitans? Et qui sont les Nicolaïtes? The Nicolaitans were a sect that disregarded the law of God. Les Nicolaïtes étaient une secte qui ignorait la loi de Dieu. Do we have churches today that disregard the law of God, yes or no? Est-ce que nous avons aujourd'hui des églises qui ignorent la loi de Dieu? Oui ou non?
Do we have churches today that say that the law has been done away with? Est-ce que nous avons des églises aujourd'hui qui disent que la loi a été abolie? Oui ou non? Well, it's also very interesting if you go into this word Nicolaitans. C'est très intéressant aussi si nous analysons ce mot Nicolaïte. There are many, many connotations. Il y a beaucoup, beaucoup de signifiés. One of the nicknames of the devil is Old Nick. Un des sobriquets, un des surnoms du diable est Vieux Nick. Yes, Nicolas. Oui, Nick, Nicolas, tu as très bien dit. Yeah, so if you follow Old Nick, you're in trouble. Et alors, si vous suivez le Vieux Nick, vous avez des problèmes. So there's a work to do, you have to overcome. Alors, il y a un travail à faire, il faut vaincre. And then you will get access to the tree of life. Et on aura accès à l'arbre de la vie. So the first church is Bible-based. Et donc, la première église est basée sur la Bible. Can distinguish right from wrong. Peut distinguer entre la vérité et le mensonge. On the hand of the scriptures, and by the scriptures, they determine who is a false and who is a true apostle. Et à travers les Écritures, ils peuvent voir qui est un faux et un vrai prophète. This is the street of Curette in Ephesus. Et voilà la voie des Curettes à Éphèse. And here were all these statues. Et ici, il y avait toutes ces statues. And if you were rich, you could have a statue of yourself made. Et si quelqu'un était riche, il pouvait se faire construire une statue. Then you pay rent. Et louer la place. And you can stand there. Et une personne pouvait avoir une image là, and sur cette think you're great. Et les gens pensaient que vous étiez fameux. Here is the temple of Emperor Trojan. Et voilà le temple de l'empereur Trojan. Because these emperors were all worshipped as gods. Ces empereurs étaient adorés comme dieux. Here is a reconstruction of the town hall and the library. Et voilà une reconstruction de l'hôtel de ville, la mairie et la bibliothèque. Here's another temple of Domitian. Et voilà un autre temple de l'empereur Domitien. Another side of it. Une autre photo du temple. There were fountains and baths and important people. Et il y avait fontaines, bains publics et personnes importantes. And amidst all this error, et dans toute cette erreur, there was a Bible-based church. Il y avait une église qui se basait sur la Bible. These are actual pipes that they dug out there. Voilà des conduites pour la canalisation qu'ils ont trouvées. Notice that they're insulated, so they had warm water. Et vous pouvez voir qu'elles étaient isolées, ils avaient donc de l'eau chaude. And these were the public toilets. Et voilà les toilettes publiques. And you did your business, and underneath there was a river, and off it went. Et les gens faisaient ce qu'ils devaient faire, et en bas il y avait une rivière. Automatic flash. Et une chasse d'eau automatique. Here is Scholastica, baths. Ahí los baños. Voilà les termes de Scholastica, ils étaient très riches. And of course, they worshipped also the goddess Artemis. Et ils adoraient aussi la déesse Artemis. Notice all the breasts she had. Et voyez tous les seins. She was the mother of all on this earth, and she fed them all. Elle était la mère de tous sur cette terre et elle les nourrissait tous. And here was this amphitheater where Paul confronted those who worshipped this goddess. Et voilà l'amphithéâtre où Paul a fait face à ceux qui adoraient cette déesse. So remember, there's always a confrontation between goddess worship. And true Christianity. Et donc, il y a toujours une confrontation entre un affront entre l'adoration à la déesse et le vrai christianisme. And, you know, you can imagine Paul actually walking along this route. Nous pouvons nous imaginer à Paul qui marche sur cette route. In the last confrontation, they kept him away there because they would have stoned him. Dans le dernier affront, Paul n'eut pas le permis de se présenter car il l'aurait lapidé. And this was the quay where the ships were actually anchored. Et voilà le port où les bateaux jetaient l'ancre. And today there's no ocean there. Mais aujourd'hui, il n'y a pas la mer. Why? Because pourquoi? 800 AD, Ephesus ceased to be a harbor town. Car en 800 après Jésus-Christ, Éphèse arrête d'être une ville de port. The little river had brought down so much silt that it became an inland city. Car la rivière avait accumulé tant de débris que la ville cessa d'être une ville avec un port. And this is a very interesting building. Et voilà une construction très intéressante. If you go to Ephesus, si vous visitez Éphèse,
which was the seat of the goddess Diana, qui était le siège de la déesse Diane, who was the mother of God, qui était la mère de Dieu, des dieux. There they will tell you that this is where Mary, the mother of God, lived. Ils vous diront que ici c'était la place où Marie, la mère de Dieu, vivait. But of course, everybody knows that that is a falsification. Tout le monde sait que c'est une falsification. C'est pas vrai.